OEA rentre matin. Yon délégation rentre matin. Alors, faut que me dise que OEA, il y a un bureau en Haïti, donc il est toujours là en permanence. Mais une délégation de haut niveau qui rentre chaud dans le pays. Première direction, c'est par la nationale, il a rencontré le président Jovenel Moïse. Et à 3h, il a commencé le travail. Et le premier invité, c'est le sénateur Youla Tatsu, donc de AAA. Et premier monde qu'il a rencontré comme leader politique, comme chef de parti politique, donc qui est donc le sénateur Youla Tatsu. Le sénateur Youla Tatsu, l'éclat lui-même, il paraît pour l'attendre, pour la dire tout ça qu'on a dit dans la radio, donc contre le président Jovenel Moïse. C'est l'occasion pour le mettre OEA face au mur. C'est l'occasion tout, donc pour le dire ça le penser. Donc sous, et ça nous gagne là comme situation pratiquement dans le pays. Et le sénateur l'a entendu déjà là, donc sur le nom. Et matin, lui-même avec l'équipe donc de AAA, il travaille sous rencontre, il va le gagner, donc éventuellement avec l'OEA. Sénateur l'a entendu, bonsoir, bienvenue à l'émission Un débat comme on est. Allô. Et sénateur Laurent, bonsoir, bienvenue à l'émission Matin Débat, comment on est? Bonsoir Loco, bonsoir à tout staff Matin Débat, et spécialement nous saluons les députés et anciens collègues Pierre Martin Patout, nous saluons tout autre panélicien, nous saluons tout auditeur, auditrice, capteur d'émission. Alors, forme de Loco, à 3h, c'est la DIRPOD, c'est la DIRPOD comme groupement, qui a recevoir parmi lesquels moi-même, okay, et les autres des personnalités qui c'est Rosemont Pradel et sénateur de la Grande Sorel Yassin. Ok, donc ça veut dire que c'est pas AAA qui a pu se voir, donc c'est DIRPOD que vous faites partie. C'est la DIRPOD qu'on reçoit à 3h comme premier groupe et on continue à recevoir, mais il y aura une représentation de 3 personnalités pour la DIRPOD. Lesquels? Qui est ce pour DIRPOD? Et qui est ce pour DIRPOD, le sénateur? Et nous gagnons Rosemont Pradel de la Fusion et sénateur Sorel Jaffet de Unité. Okay. Très bien. Et ou même de AA, très bien, très bien. Ok, et ça nous paraît pour nous dire après-midi. Premier bagage, le coup, on me dit que démarche de répondre à rencontre OEA est situé dans la ligne que depuis 2018-2019 nous avons parlé. Mm-hmm. Depuis une alternative, nous avons dit que nous parlons pour nos chita avec le patron Jovenel Moïse, qui c'est eux-mêmes qui étaient Kembe le pouvoir. Et dans la ligne, nous avons rencontré l'ambassadeur Kraft, secrétaire d'État américain, Union européenne. Et je dis à ces OEA, nous t'ai dit que nous pas rencontrer avec le président Jovenel Moïse, parce que le président Jovenel Moïse n'a jamais qu'un des paroles li, dans la rencontre qui était faite avec l'opposition, me rappeler Caïdance Apostolique, eh bien, il t'a dit, lui-même, ça l'a baissé quelques postes, alors que nous-mêmes, dans la rencontre là, moi, pour passer ces questions de postes pour nous discuter. Donc, pendant que nous avons dit nous ne pouvons pas rencontrer avec un monde comme ça qui n'a pas qu'une parole, mais nous avons toujours dit que la communauté internationale, c'est une force politique importante en Haïti et Fonouchita Avel, d'ailleurs, c'est lui-même qui a élu Jovenel côté lié dans le pouvoir. C'est clair que, sénateur Latatu, vous connaissez que déjà, et sur la table, la question du référendum libre quand même évoqué, la question de la nouvelle constitution, également des élections et la situation sécuritaire donc, du pays. Et comment nous allons approcher la question avec l'OEA? Moi, je pense, et justement, Louko, il est extrêmement important pour nous parler avec l'organisation SAYO, parce que y a gagné un lobbyiste extraordinaire que le gouvernement haïtien a fait, a dépensé comme bon côté, pour yo expliquer la situation, j'ai oublié. Donc nous-mêmes, dans l'opposition, nous n'avons jamais de possibilité de lobbyistes. Et l'organisation ça a exprimé position yo, d'après lobbyistes qui viennent parler avec eux. Moi-même, moi toujours dit que faut chercher l'occasion pour que nous expliquions la situation. J'en lié à nous déposer papier nous et nous montrer à l'organisation yo que ça ou dit c'est pas vrai. C'est l'objectif ça, moi toujours voulu rencontrer yo et expliquer la situation, parce que l'opposition n'a pas gagné pour payer 3 millions de dollars pour aller faire lobby, c'est un gouvernement payé
3 millions jusqu'à 4 millions de lobbies auprès de Washington, auprès de l'OEA et auprès de l'ONU. Donc, ça n'a dit pour question référendum là, l'article 4 de la charte de l'OEA, article 2, ils ont rappelé que pays membres de respecter la constitution des pays respectifs. Mm-hmm. C'est ce qu'on appelle, et, en droit des organisations, la subordination constitutionnelle. Et dans ce sens, ça, si pays doit respecter la constitution, yo, m'a juste rappelé à l'OEA l'article 284.3 qui dit qu'il n'y a pas qu'à organiser le référendum, et l'article 150 de la constitution qui dit que le président n'a pas qu'à avoir plus de pouvoir que ça, que la constitution en base. Donc, dans ce sens, là que nous soumettons document ça, yo, référence à la charte de l'OEA et à notre constitution, nous ne pouvons pas avoir de pouvoir question référendum là. Eh bien, je n'en j'ai blanc pour le comprendre que son bagage, que lui-même, lui-même, il va devoir parler de lui, parce que sinon, lui-même, il a voulu chaque OEA. Yeah, deuxièmement, moi, je pense que, sous question de l'élection, il est clair que l'élection que OEA a parlé dans la résolution que le déprend en mars 2021, il a dit il faut des élections crédibles, honnêtes et démocratiques. Et moi, je crois que là, il a parlé de l'adjectif qui a assigné à la question élection, c'est que pour élection, premièrement, il y a un cadre légal. Mm-hmm. Eh bien, la première chose, c'est qu'il n'y a pas de cadre légal pour élection ça. Premièrement, mandat président, il prend fin dans 134.2. Deuxièmement, CEP qui l'a, il n'est pas légal, il n'est pas prêté serment, et c'est le prêté serment que le TK a exercé. Donc, la légalité n'existe pas. Et si la légalité n'existe pas, on n'a pas qu'à parler d'élections qui sont honnêtes, crédibles et démocratiques. La deuxième chose, là où on va dans l'élection, il y a deux bagages qui sont extrêmement importants. C'est la question de loi électorale et la question de la carte électorale. Loi électorale, là, il n'y a pas qu'à prendre parce que le président, tout ça que le prend là comme décret illégal, son mandat a pris fin. Mais la question de la carte électorale, c'est que nous, notre situation, même si vous considérez que 4 ça a été bon, c'est 4 millions de monde, eh bien, qui gagnent 4, qui enregistrent pour 4, c'est 3 millions qui joignent, et c'est 8 millions de monde qui doit gagner. Donc, dans l'élection, ça veut dire que c'est toute population qui a dit, il n'y a pas le voter, ou il n'y a pas le voter, mais au moins il faut gagner 4 là dans le monde. Donc, la question de la légalité n'est pas la question. Du document électoral du Pagéel, et m'a même besoin, je dis à le comparer de la question sécuritaire. D'ailleurs, moi, pense que je dis à leader, même monde qui te parlé en France ou à qui pour pouvoir, je reconnais que je dis à PIA, eh bien, son pays qui est un gouvernant. D'ailleurs, moi, t'ai expliqué déjà, et dans théorie que m'a parlé pour insécurité qu'il a, c'est ce qu'on appelle le banditisme d'État. Le banditisme d'État, il y a plusieurs étapes. Il y a une étape 1, côté le banditisme est établi avec l'aide du gouvernement ou de l'État en question. Deuxième étape, maintenant, où bandit, il y a cherché espace géographique ou bien influence. Et troisième étape là, il vient tellement fort que il étend dans tout le pays et il fait l'État et fait ça et ouvrir. Nous avons deuxième étape là, côté de Goumen ou espace géographique ou influence. Tout à l'heure, sur le ville local, on a vu des bandits sur la place Boyer de Pétionville dimanche soir. Moi, je pense peut-être qu'il y a un advance. Il faut s'attendre dans deux ou trois semaines que lutte pour espace géographique là, l'arrivée, eh bien, partout dans la zone métropolitaine. Donc, moi, je crois que, au lieu d'une situation qui se calme, c'est une situation qui se chauffe, qui a chauffé. Donc, dans la situation, ça, on va même quoi si on est lucide, il a parlé d'une élection d'ailleurs, donner NDDH Tebaï dans la question, ça, il y a 80% de la zone métropolitaine, eh bien, qui est occupée par les gangs, et pas oublier, la zone métropolitaine, c'est 42% de l'électorat, sous les 80%, c'est-à-dire environ 30-35% de l'électorat, sous contrôle des gangs, non pays. Côté que l'élection a fait normalement, c'est 30% de monde qui vont voter. Donc, je dis à moi, je pense que données électorales, données cartes,
données légales ont montré que dans la situation ça, les élections eh bien, sont impossibles. Eh bien. Mais tout ceci, nous croyons que bon effort a fait au niveau de l'opposition, de la société civile, du secteur privé, pour que nous arrivions dans un accord, eh bien, côté que nous entendons sur des points principaux, c'est-à-dire un exécutif sans Jovenel Moïse pour réaliser les fondamentaux de la transition. Nous croyons que c'est pendant que nous avons exposé eh bien, situation, nous parlons par tout pour nous dire que voici la solution que nous sommes en train de rechercher, parce qu'il faut le plus vite possible mettre en œuvre cette solution pour que le pays a parité dans chaque lieu. Ok, je connais que y a plusieurs entités dont AAA faisant partie de la DIPOD, nous-mêmes nous là pour une question de départ ordonné. Comment nous comptons aborder la question avec, avec la délégation de l'OEA? Très bien. Et je vais expliquer pour tout le monde, parce qu'il y a des gens qui ont une confusion sur la question de départ ordonné. Okay. Départ ordonné, il y a deux points principaux là-dedans. Un, c'est la fin de mandat du président Jovenel Moïse, c'est-à-dire c'est le départ de Jovenel Moïse. Deux, son remplacement par un exécutif est partiel. Donc, l'éclair, le contenu du départ ordonné, c'est ça. Départ ordonné, il n'y a pas ni cohabitation là-dedans, il n'y a pas ni rentrée là-dedans, il y a deux points, le départ de Jovenel Moïse et la mise sur pied d'un exécutif est partiel. Maintenant, dans ce sens-là, moi, je pense que, à travers ça, nous sommes dit, le code dans la proposition, on voit que l'île enfermée, d'ailleurs, dans les points de l'accord, qui signifie que le départ de Jovenel Moïse, et dans l'accord, il est dit qu'il sera remplacé par un premier ministre, eh bien, qui sera justement désigné par une commission de 4 membres du secteur politique et de 3 membres de la société civile, une commission de 7 membres, 4 gagnants. Ils ont choisi le premier ministre là, peut-être à l'instar de 2006, et premier ministre là, selon l'esprit de l'article 149, l'a joué le rôle de premier ministre et de chef du conseil des ministres, donc rôle de président, et l'a gagné pour mener transition avec pour objectif, un, premièrement, la question de la conférence nationale, deux, la question des procès pétro-caribé de Amalog et Latrier, trois, la question de réalisation des élections, et quatre, lancer les réformes économiques et sociales. Et maître mécène Jean-Louis, monsieur sénateur, Youla Tatu. Maître mécène Jean-Louis, côté de notre baisa. Eh bien, mécène Jean-Louis, je pense que c'est peut-être ça qui gagne une commission qui est à loin, maître mécène. Maître mécène, d'ailleurs, moi je dois dire, c'est monde qui sorti même côté avec, et c'est monde, moi je pense, justement, qui a courage, convictionné, et la commission ça a à loin, et qui dit, comme que tout le monde retenu, que l'IPA constitué un obstacle à n'importe quelle solution qu'à joindre. Cependant, moi, je pense que par rapport à M. Jean-Louis, non seulement il est en réserve de la République, mais son équipe doit être avec nous dans toutes les démarches, dans tout ça qu'on a fait de médiation, puisque M. Jean-Louis mérite à, doit avoir cette reconnaissance de la République pour s'être mis à disposition dans un moment que vous n'avez aucun juge qui te veut et que s'il doit remplir un rôle, la remplir, mais s'il va doit remplir un rôle là, il restera en réserve de la République, mais son équipe sera avec nous dans toute démarche de l'opposition politique. Eh bien, donc juste un petit rappel, et le Premier ministre qui sera donc choisi et par cette commission fera donc également office de président. Oui, selon l'esprit de l'article 149 qui dit, lorsqu'un président est empêché ou bien démissionner ou bien ne peut exercer sa fonction, le premier ministre, eh bien, en conseil des ministres, eh bien, exerce le rôle de l'exécutif. Eh bien, merci un peu, sénateur, il attend dessus, donc bonne chance, bon travail. À moi de vous remercier. Merci un peu. Bon, nous donnons des paroles là. Donc, maître mécène Jean-Louis, si toute bagaille tombait d'aplomb avec OEA, également l'équipe de DIPOD et également les autres secteurs politiques, donc mécène Jean-Louis Bouépois. Il a perdu. Et puis il a perdu le job là tout.
Qui job? Il va gagner job, mon cher. Il est juste dans le cas, juste là. Il va voguer lui. Mais bon, ça me doute. Je vais voguer comme juge à la cour de cassation. La décision, ça va beaucoup. Il y a beaucoup de toi, juge, qui remplacent le bar. Il va voguer installé. Il va voguer déjà. Décision, ça va gagner par campé souvent. Il est légal, il est citadin. Mais il va voguer déjà en attendant. Président va gagner droit révoquer au juge. En attendant, juste ça. Inamovible. Parce que le président est toujours en fonction. Qui président? Jovenel Moïse. Même Jean, même si j'ai pris la tête de son bagage ici. Mais moi, tu me sacs pour ta deux fêtes. Sac ta deux fêtes. Même de sac fêtes, tu vois. Où sont les gens là? Et qu'on y a là? Est-ce qu'on y a là? Juste ça, yo. Yo pas touché. Yo pas dans le coup de cassation. Yo pas juge encore. Décision pour Poyette. Pas un problème. Décision pour Poyette. Est-ce que ce genre de l'homme de ça? Qui ça qui empêche? Qui ça qui empêche Jovenel Moïse? Prends un décret, il y a vie. Qui est-ce qui contre lui? Ah, mais c'est ça, Mabdou. Non, pays côté que pas grand question état de droit, lion batte, pas grand application de la loi, tout le monde fait ça, vous voulez. Mais voilà. Vous avez voulu le journaliste là? Moi-même. Moi-même, le journaliste. Journaliste, mes frères. Parmi des politiques. Donc, n'a pas suivi nous à demain, s'il vous plaît, madame notre main. Vous comprenez? N'a pas gardé bien maintenant tout. Donc, alors, OEA là jusqu'à mercredi. Jeudi à mardi. Oui, jeudi à mardi. Jusqu'à jeudi, jusqu'à jeudi. Il a fait deux jours. Oui, oui. Il a fait deux jours pour full. Jeudi et demain, il y a parti jeudi. Il a fait deux jours. Il a fait deux jours full. Donc jeudi, n'a pas connu. Mais là, on a déjà une idée. Donc de l'équipe Dearborn là. Et pas oublier, on a parlé de Dearborn. Il y a un secteur démocratique là qui retire quand on a Dearborn. Ok. Et entité jeudi à qui représente Dearborn là, quand dans Dearborn là, il y a même eu un départ ordonné. Le sénateur l'a juste expliqué qu'il vient au même, yeah. Il a abordé la question avec la délégation donc de l'OEA, madame, monsieur. Mais il y a un homme qui a retenu dans l'entretien que nous avons avec le sénateur l'a tortue. Pas de mettre M. Ndian lui-même dans le okay, donc, là, si M. Ndian a besoin de job, là, il a job là, il a besoin. Pourquoi il a cherché mais oui. Comme il y a fin de M. Ndian dans le poste, et puis il a quitté le tombé. Comme si, il n'y a pas de connaître dans le cadre d'un accord, il n'y a pas de connaître et prendre. Comme si, quand même, juge qui est là, il met mes 5 gars chaud. Non, mais il est ici, 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 Nancy Bois, Soukibas, la guerre au nègre qui a fait coup d'état. T'as l'air, mon frère. Elle m'a posé une question tout. Mon métier sous base. Ok. Souki motif. Il t'a arrêté juste à Brésil, Nancy Bois. Bon, et ça a été dit. Bah, coup d'état. Mais très bien, mon cher. C'est ça. Attendez. Même ça lui-même, il est direct. Il va se lever au doigt. On est Michel qui a déposé la coco qu'on fait bien discours, il a été chargé. Et puis. Hop, là. Répétez. Rapide. Dis quoi, pas passer. Qu'on a l'autre à lui-même. Il met le mouvement, tu bois, bagaille coup d'état. Et puis, à minuit, discours paré. À minuit, discours paré. Oh, à 10 du matin. Dimitri, arrêtez ça. À tout discours, non, mais, dans ce bois, juge d'Abrésil. Monsieur, Amadou. Même que des fois,
en déchis ça, ça que t'es bon, bon être. Même si t'es bien intelligent. Pas bon, il n'y a pas toujours good. Avec divorce, là, il n'y a pas toujours good. T'as qui ça le bon là? N'est-ce que pas pour Yota? Oh Yota, n'est-ce que pas pour Yota? Mais mon mante, n'est-ce que pas pour ce... T'as qui fait comme là? Il fait divorce là? Il fait divorce là. Eh, il fait divorce là. M'a regardé... Non, mais... La victime, plus ou elle qui te motive pour prison. Mais monsieur, va me parler de regret. Va me parler de regret. Bon parler de regret. Comment oui? Comment? Le pays s'en est là oui. Gon madame qui relait madame à peau. Allez madame. Que mon bassin bleu regrettait en pile. Allez petit dame. Madame à peau qui était faite 14 février 34. Il allait quitter tout le monde, il était bien toute famille 17 mai 2021. 1934. C'est Thérèse Avenia Desroches. Madame Apo. Yo pas dit un organisateur qui mourit tout. Administrateur. Non, papa l'est déjà, c'est nous pouvons confirmer. Vous comprenez pas, okay. Il ne doit pas vrai. Et quoi, non, mais madame, madame, non, pas de nouvelles. Il va parler de comme ça. Madame Apo, c'était oh, Amaline Tenno. C'était nous-mêmes comment aller qui s'est passé. Oui, mais on dit c'est là. Amaline, il faut qu'on l'aide. Amaline, faut-il donner Amaline. Oui, vous parlez, chef là. C'est madame Thérèse Avia Desroches. Madame Apo, j'ai tout le monde bassin bleu. La Kaili, c'est devant l'église Saint-Georges. Tout le monde connaît. D'ailleurs, et Louko. C'est quand qu'on son parent oh, devant et Saint-Georges là même oui devant oui, c'est oui. D'ailleurs c'est pendant m'a fait un festival c'est là m'ai toujours dormi okay. la caille madame mais là il bat là nous t'as mangé tout oui, oui. Et c'est petite lit madame Bazlek okay, t'a fait okay. Manger okay. Et il y a deux petites madame Bazlek avec Junie qui est aux États-Unis peut-être probablement qui vient d'entrer et c'est deux petites ça me connaît des petites filles ça oh. En tout cas, et madame Apo, et donc allez donc en termes à chanter samedi 3h dans l'église Saint-Georges bassin bleu et nous dit condoléances à toute la famille mais ouais, toute ville bassin bleu madame Apo, la famille garçon toute la famille garçon en tout cas et la famille Desroches en tout cas et madame Apo devant et puis tout le monde condoléances OK on a le Jérémy donc avec Amaline Charles Amaline. Bonsoir mon collègue, bonsoir également député Patrick Jésus et salut et Colli Pabon. Nous saluons également tous les parlementaires, les gens qui boivent chez Matin Débat en Haïti, tant qu'à l'étranger. Nous saluons également Magistrat Ouro parce que nous voulons nous faire un problème gazoline dans la ville, mais Magistrat Ouro fait tout ce possible pour les radios, l'ambit est capable de relayer Matin Débat pour la population de notre cœur. On cloche. Donc là, je vous magistrat, ça wow. Gagne à Jérémy, je dis à la, qui nous veut le guigner? Ça gagne à Jérémy, nous sommes capables de vu et déjà bah, l'école pour camper le 11 si Dieu veut, toute l'école presque a proposé, mais nous sommes capables de consacrer hier soir ville plongée dans le blackout total. Blackout inattendu, on peut le dire. Le blackout total, hier, le Jérémy, pas de courant pour juste tenir la parler avec quoi. Oh, alors c'est pour 24 sur 24 là. Alors c'est pas vous connaissez un système ça depuis vont souquer lui. Ah, ça bon là. Pour 24 sur 24, mais comment? Comment ça nous va le courant? J'ai mis le courant. Et à cracher le déconner. Monsieur, mec du garde. Système ça son système depuis gros vent. Bon. OK. Bon ouais, depuis un gros vent à Malinten. Et puis couper automatique. Bon, monsieur. Connaissez rebalancer, mais c'est technique pour sortir bord de presse pour refaire connexion. Messieurs dames, le contact bien. C'est pas qu'on a seulement capturé, nous avons tué. Non, madame Aline, ça vient, Louko. Si c'est ça, si nous avons créé bien. Madame Aline, boy. Depuis qu'il y a un gros fond, la pierre tombe, gros tout ton fond, si c'est un tout automatique, tout comme. Il va mélanger à Amaline, est-ce que pas de fond? Dis-nous qui s'est passé même non. Est-ce pas de fond, Amaline? Pour Louko, a un problème. Pour Louko, a un problème. Alors, nous sommes capables de mettre comme bémol, nous sommes capables de faire nous connaître le problème, car il te résoudre. Au niveau de l'EDH, ah ben voilà. Le problème ah, nous que gagner et vent parce que j'étais fait inondable. Ça veut dire que j'étais coupé toute branche côté et haute tension était passée parce que depuis que j'ai vanté. Yo, coupé toute branche. Ils ont coupé toute branche. Mais ça c'est un autre problème lié. On a courant, oui. Ça c'est un autre problème lié, Louko. Côté matériel, nous t'es senti parler
surtout avec administrateur EDH, que nous allons faire auditoire là, pour tout aller ça, administrateur à Tébaï, comme problème, Louko. D'accord, merci. Ouais. Justement, et problème qui gagne, parce que la population, c'est au courant, mais quand même, c'est devoir comme journaliste pour chercher information et nous-mêmes tout pour nous et partager information. Et bon, logiquement, nous avons été ouais que nous avons courant jusqu'à ce que nous même plein au courant. Et suite à problème qui vivait Martissant, eh bien vraiment venez mettre tout payant, au moins 5 départements sur style lock. Et là, c'est le même problème ça que nous avons enduré là, par rapport à la situation qui gagne Martissant côté vraiment moula mourir et chauffeur, ils ont vraiment résistant pour passer dans la zone ça. Mais pour EDH, nous fait contact déjà avec les monde qui étaient supposé et contacter fournisseur nous et toute bagage s'est fait déjà, mais c'est justement monde qui pourra embarquer. Depuis ça fait 2 jours là qu'il n'a pas mis, nous avons contact avec le côté de l'embarquer et bon, nous pas qu'à vraiment jouer mieux pour nous connaître, mais c'est suite avec situation ça nous arrivons dans Port-au-Prince, surtout et côté que Matissan vraiment des grands de blousaille et puis et on entendait encore côté que Paul et bien il a subi des menaces et nous espérons vraiment que la population lui comprend une situation politique et pays, une situation vraiment que la trouble qui gagne. Et très rapidement, nous avons souhaité que le bail retourne dans le normal lieu, une façon pour que le pays a reconnecté avec les courants. Est-ce qu'on a... Oui, nous connaissons la situation présentée, mais nous pensons que nous avons voulu informer les populations parce que il y a un pile l'école, on a dit 100% l'école qui a proposé dans la journée que nous avons parlé avec. Voilà le connaissez. D'accord. Merci en pile, Amalicha. Merci en pile. Merci, nous connaissons. Bonne journée. Merci en pile. Alors, nous te disons, nous avons le matin débat. Et alors, on va dire que. Moteur, ici, a... c'est gaz. Non, nous t'es là, ici. A... Écoutez, là, on a pas analysé, c'est Gougouzé, monsieur. Ouais. Et ça, Mbaba nous m'a dit, nous t'allons très loin analyser. Parce que nous t'es dit que. Problème Martissan, Pralbaï, ils ont raté de gaz et de carburant, donc, dans le pays. A. Et de fait, je dis à parce que tout le monde ferme dans Jérémy, donc, pas de gaz à terre. Et ça fait que je dis à tout, gaz pas arrivé, Jérémy, qui fait que je dis à mon Jérémy, n'en fait noir. Oui, mais et d'analyser le tirage à matin de bas. C'est pas un gaz, c'est cafoulier. Il dit qu'on a chargé et puis il descend. Non, mais elle bloque ça. Il n'y a pas de blocus, il n'y a pas de monter matin. Ça a bien matin à tout. Ou t'as dit que ça. Qu'on bloque ce cafoulier ni pour venir ni pour aller. Comme si Magia n'est bloqué. Oui, campé net. C'est pour pas gaz, il faut que Magia n'est bloqué. Non, campé net, campé net. Il y a un gars qui n'est pas 3 ou 4 jours dans le de toute façon. Et pour problème. Est-ce qu'on est que. Est-ce qu'on est que dans zone. Est-ce qu'on est que dans zone. Dans zone. Après Fontamara, où il vient dans Cafou, manger pratiquement gaspillé dans quelques zones dans Cafou. Oui, mais. Ça a passé, machin de sorti dans le sud, capoté manger pour venir vendre Port-au-Prince. Mais c'est là où il arrive. Mais c'est là où il arrive. Qu'on y a yo, vendre marchandises là, oui, à Villebris. Donc on va dans zone Magiani. Non, zone Magiani, zone mangeable gaspiller là dans moment là Cafou. Eh bien puisque nous dans Cafou, bon nous tout dit ça et tout le monde nous t'a annoncé ça hier. Et matin de bas depuis ce coup de main ça yo, bagage service social nous entrer là-dedans. Gon équipe là et effectivement Cafou Louko et zone Matissan qui met tête ensemble pour voir si on peut aider on sait de monde dans la province. Des monde qui déchouqué là caillou, il pas arrêter encore les gangs déchouqué et son problème lié, gon équipe et qui prend responsabilité ça, mais il a besoin coup de main. Il a besoin coup de main. Alors et donc son service n'a bail nous-mêmes, ça nous comprendre ni. Et matin débat entrer là-dedans lui. Mais entrer comment? C'est lobby n'a fait, n'a parlé de ça. Mais c'est pas nous mêmes qui gagne responsabilité pour nous bail moun l'argent. Alors moun pa vini si a vinn côté nous parce que n'a bay l'argent bus pour moun aller en province, c'est pas ça question. Gon comité. M'bral bay un numéro de téléphone. Quel que soit moun qui veut participer bay fond geste économique parce que monsieur a besoin et donc 100 000 gouttes pour déraper à moun qui sous compte yo. Et 31 43 37 48 31 43 37 48 donc nous carrelé et nous caprelé ça ou ca faire mon cache souli donc si on moun vle pote en fait soutien tout ici à si c'est ici on vle pote comme là relé bien matin là tout relé bien matin là tout n'a fait ça donc on passe ça son bail loyal
Et donc, c'est des mouns. Si nous sommes entrés là-dedans, c'est parce que nous trouvons que. Si c'est un nid pour une chanson, vous comprenez dans le monde nord-ouest, vous comprenez dans le monde. Nous avons dit plus interpellé, non. C'est haïtien qui a un problème, non. Et non, mais c'est matin débat. C'est mouns, nous y est tout, matin débat. Nous sommes bons mouns. Nous sommes bons mouns, mon cher. Dégagez-nous, mes amis, pour décoller avec l'équipe là, parce que le conseil de mouns là, qui besoin dans le pays, qui pas qu'à aller. Qui veut se commencer? Qui veut commencer? Je suis place Matissa. Bon, 31 43 37 48. C'est un numéro de téléphone, nous avons pris contact avec vous. De même que nous avons fait mon cas soulé. Alors, donc, oui. Ouais. Alors, donc, question de justice là, dans la commune. On a regardé pour nous, nous avons deux invités matin là. Et il y a une pression par téléphone, son question de justice. Et puis l'autre là, dit avec nous, en studio, mon papa figure dans la caméra. Pour question volontaire, non peigné. On allait d'abord avec M. Sarah qui a un rapport avec question justice. Bonsoir, comment vous identifiez qui vous avez raison pour aller dans l'émission matin débat. Bonsoir, Louko. Bonsoir, animateur. Bonsoir, maître Josier. Moi-même, c'est. Et bonsoir, tout auditeur, auditrice qui a écouté radio, qui a écouté émission matin débat. Raison pour aller. Noël Gérard. Oui, moi-même, c'est Noël Gérard, praticien en droit et étudiant journaliste à l'ISNAC. Et moi, le matin, c'est par rapport à une situation qui a produit dans la commune Limonade qui est venue dans la ville au Cap. La commune Limonade, c'est une des trois communes qui est dans la ville au Cap. Alors, il y a deux juges de paix qui était dans la ville au Cap et qui est transféré dans la commune Limonade. Depuis des juges ça arrivé dans la commune, nan, c'est pour gagner justice, il dépend de quand c'est comme qu'on gagne dans la main. Si on pas gagne comme, c'est qu'on pas dans la justice. C'est qui juge ça? Qui juge ça? Il y en a le premier relais, c'est Elima Obéi, et deuxième nan, c'est Nivrose Alexis. Ok. Sans reprocher yo. Dernier cas qui produit, hein, c'est que juge Elima Obéi, lui, joue dans un dossier, pas comme juge, mais comme un parti. C'est que c'est deux mouns qui gagnent, qui ont des différents entre eux-mêmes, et que yon plaignant en porte plainte, moun yon pas vini. Premier jour, deuxième jour, moun yon vini, lorsque yon arrive, qui c'est Noël Naomi, avec Noël et Gemina. Et puis lorsque on arrive dans le deuxième jour, plaignant pas venu, plaignant qui fait Rigo Maxime. Juge Lange prend, saisit, prend un an lettre, lettre l'an an mais Genouel Gemina, Noël Naomi de Gézale, puisqu'il est plaignant pas venu, et lui changer.